on veut faire le maximum de points possible. Et on commence à, comme nous avons parlé quelques semaines avant, faire le 5% de points à domicile. Ça, c'est le challenge et le défi pour le joueur. Un adversaire, sur les derniers 11 matchs, a perdu seulement 2. Un adversaire qui vient de 2 victoires, de matchs nuls. Un adversaire que l'on ne perd pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nous avons tous les ingrédients pour avoir la considération et seulement être, et c'est ça qui a fait la différence sur le dernier match, c'est être concentré seulement sur nous-mêmes. Seulement. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est seulement notre compétence et notre capacité de jouer. On peut réussir sur le match. Rien change avec le classement. Comme je disais avant, nous avons été 6e, 7e, maintenant nous sommes 5e. Mais le plus important, c'est sur les 7 matchs sommes capables de faire le maximum de points, 21 points, maximum de points, c'est sûr qu'on peut être plus, on peut arriver plus loin où est-ce que nous sommes maintenant. Mais pour ça, on a besoin de garder notre considération et jouer match à match. Seulement ça. Le seul challenge maintenant, et c'est le plus difficile, c'est garder la concentration match à match. Et on ne peut pas être préoccupé ou concentré sur autre chose, on ne sait pas, seulement notre match. On a besoin de garder les mêmes exigences et avoir un maximum d'ambition pour arriver sur le match demain et prendre le point, les 3 points.